Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Eh bien écoutez, on va tranquillement commencer. Alors aujourd'hui, le thème qu'on souhaite aborder avec vous, c'est trouver les bons candidats et gagner de nouveaux marchés. Je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui occupe toutes les agences de travail temporaire. Je tiens quand même à faire une petite précision. On avait déjà tenté d'organiser ce webinaire au mois de février de mémoire, Fin janvier. fin janvier. On a eu un souci technique avec l'outil qui nous reçoit, qui s'appelle Click Meeting. On est vraiment désolé pour ceux qui s'étaient inscrits et puis qui ont attendu indéfiniment. Donc, on est ravis de vous revoir aujourd'hui et de pouvoir lancer ce webinaire. J'ai la parole, Margot, tu m'en veux pas, je continue. Donc, moi, je me présente, je suis Caroline Robic, je suis responsable commerciale chez Pixid. Je travaille chez Pixid depuis 3 ans et demi. Je connais la plupart d'entre vous. Mon activité, c'est de développer l'activité commerciale chez Pixid auprès des entreprises de travail temporaire que vous représentez. Je vous accompagne sur la découverte de nos offres, de nos solutions. Je vous accompagne aussi à équiper vos clients de solutions Pixid et puis à vous équiper, vous et vos agences, de solutions, de démat. Et je vous accompagne dans votre transformation digitale. Et puis, je suis accompagnée de Margot. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Moi, je suis Margot Medjeber. Je travaille dans l'équipe de Caroline et j'accompagne l'ensemble des agences de travail temporaire de taille plutôt intermédiaire sur l'ensemble des solutions qui sont proposées par le groupe Pixid et notamment l'offre CareRx qu'on déploie sur le marché français. Alors, les objectifs de ce webinaire, ils sont nombreux. On a la chance avec Margot d'échanger avec vous quotidiennement via des échanges sur divers sujets, mais aussi via des comités de pilotage, des bilans d'activité. Et on se rend compte depuis, alors ce n'est pas nouveau, hein, mais ce n'est pas non plus très très vieux, que les agences ont besoin de plus en plus de réactivité, de rapidité, de simplicité dans les échanges avec leurs clients et leurs talents. Alors nous, quand on parle de talents, on parle aussi bien de candidats et d'intérimaires. Hein. Pour nous, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes. Un candidat, il recherche une mission. Un intérimaire, il est en train de réaliser une mission chez vos clients. On se rend compte que clients et talents sont de plus en plus exigeants sur l'expérience que vous leur proposez. Ils s'attendent à avoir des process qui sont fluides, comme dit la slide, un suivi administratif allégé pour ne pas avoir de la paperasse à traiter alors qu'ils ont déjà, ils ont bien d'autres choses à réaliser. Alors, notre mission hein, chez Pixid, et ça c'est depuis 20 ans, c'est d'optimiser les interactions entre tous les acteurs, donc les agences de travail temporaire, les clients, les candidats et les intérimaires. Hein. L'idée, c'est vraiment, notre activité, c'est de remettre les agences au cœur de la relation tripartite et de redonner le pouvoir aux agences via des systèmes informatiques faciles à utiliser. Et vous allez voir, on travaille depuis quelques années à aller sur l'interopérabilité des systèmes, connecter tous les logiciels que vous utilisez aujourd'hui de façon à éviter des doubles saisies et des process administratifs très très chargés. Vous avez un petit chat à disposition, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à interagir. On sera ravis avec Margot de rebondir sur chacune de vos remarques. Je vous fais part d'un petit constat qu'on a fait avec Margot, mais pas seulement avec Margot, avec l'ensemble des équipes Pixid. Notre constat, il est qu'aujourd'hui, les agences de travail temporaire utilisent de très nombreux logiciels et des logiciels qui très souvent ne communiquent pas les uns avec les autres. Dans ces logiciels-là, on va retrouver le fameux logiciel métier que vous utilisez tous. Hein. Nous, Pixid, comme vous le savez, on n'est pas un logiciel métier, on n'a pas vocation à remplacer les outils que vous utilisez, alors soit des outils propriétaires pour ceux qui ont développé leur logiciel métier ou des logiciels métiers du secteur. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, on les connaît tous très bien. Et ces logiciels métiers, ils vous accompagnent au quotidien pour créer les contrats, les bulletins de salaire, les payes. Et depuis quelques années, ils ont rajouté des briques technologiques pour vous proposer une suite informatique un peu plus complète, mais on se rend compte, hein, que ça manque encore de fluidité. Alors, vous utilisez des logiciels métiers, vous en avez chacun un, mais vous avez aussi une multitude de plateformes clients qui vous sont imposées par vos clients. Hein. Donc, vous avez Pixid
qui vous est parfois imposé par vos clients. Et puis, on n'est pas les seuls, hein, y a d'autres plateformes clients. Et la difficulté, hein, pour vos agences, c'est qu'elles doivent manipuler l'ensemble de ces plateformes. Et ces plateformes-là, elles ne sont pas connectées avec les autres logiciels que vous utilisez en agence, pour la plupart d'entre eux. Et puis, vous utilisez aussi, alors aujourd'hui, la plupart d'entre vous, quoique on voit encore des agences de travail temporaire qui n'ont pas ce type d'outils, vous utilisez des outils pour dématérialiser, digitaliser les documents de vos intérimaires. Hein, je pense au contrat de mission, je pense au bulletin de salaire. Il y a aussi la possibilité d'aller digitaliser les autres documents inhérents à une mission d'intérim. Et ces outils de digitalisation intérimaire, très souvent aussi, ils ne sont pas connectés à l'ensemble des outils que vous utilisez en agence. Si on doit finir, ou en tout cas continuer via ce constat des outils que vous utilisez en agence, certains d'entre vous, j'ai envie de dire les plus précurseurs, utilisent déjà des briques ATS. Vous inquiétez pas, je vais vous donner la définition incessamment sous peu de ce qu'est un ATS candidat. Mais certains d'entre vous utilisent un ATS pour suivre les candidatures de vos candidats. Et puis, ces ATS-là, on voit aussi très souvent, ils fonctionnent indépendamment. Donc, vos agents en agence sont obligés de faire de la double saisie en permanence. Et le dernier outil, alors là, c'est vraiment pour les plus digitaux d'entre vous, le CRM. Pareil, je vais vous donner la définition dans la prochaine slide. Aussi, ce CRM qui permet de pouvoir communiquer ou en tout cas, de centraliser votre base de prospects, votre base de clients, ces CRM-là, quand ils sont utilisés, ils ne sont pas forcément bien reliés à l'ensemble des outils que vous voyez dans mon écran. Je crois avoir fait, Margot, sauf si tu vois autre chose, le tour des outils que vous utilisez majoritairement en agence. Moi, je vais vous montrer ce qu'on vous propose pour une... Alors, comme le dit la slide, notre vision de l'écosystème digital en agence. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez moderne. On voit effectivement, alors, le Covid a participé à changer les pratiques en agence. On voit aujourd'hui que vous cherchez de plus en plus à adopter et à proposer à vos agences un écosystème digital avec des outils très bien intégrés pour que vos agences n'aient pas besoin d'avoir plusieurs onglets Internet ouverts ou plusieurs logiciels pour pouvoir communiquer avec les clients, les candidats, les intérimaires, les prospects, etc. etc. Voici ce qu'on vous propose. On vous propose, on pense que ce qui est bien, c'est d'équiper vos agences d'un logiciel de recrutement qui comprend aussi bien une brique ATS qu'une brique CRM. Alors, on y va sur les définitions. Qu'est-ce que c'est un CRM ? Un CRM, ça signifie gestion de la relation client. C'est un ensemble de pratiques, un ensemble de technologies et d'outils qui sont conçus pour aider les entreprises, alors pas que les agences de travail temporaire, les grandes entreprises françaises, quoique pas que les grandes, mais les entreprises françaises utilisent des CRM pour gérer et analyser les interactions avec les clients actuels et les clients potentiels. Alors, chez Pixyn, on pense que un CRM, ça s'adapte très bien aussi au suivi des interactions avec vos candidats et avec vos intérimaires. Un CRM en agence, il permettra donc de centraliser les informations candidats, les informations intérimaires, les informations avec vos prospects et avec vos clients dans une seule et même base, ainsi que tous les différents échanges et préférences des candidats, des prospects, des clients. L'idée, c'est que le CRM, c'est votre base utilisée par l'ensemble de vos collaborateurs, l'ensemble de vos agences. Margot vous en parlera, mais je crois que vous êtes vous aussi victime, pardonnez-moi de ce mot-là, mais de turnover. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un logiciel qui vous permet de structurer et de conserver l'ensemble des échanges. C'est l'objectif principal d'un CRM, c'est d'améliorer les relations et maximiser la fidélisation et de stimuler les commandes en offrant une vue complète et personnalisée de chaque prospect, chaque client, chaque candidat, chaque intérimaire. On vient de définir ce qu'est un CRM. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on essaiera de préciser. Mais c'est quoi un ATS du coup ? Un ATS, c'est un système de suivi des candidatures.
Il s'agit en fait d'un logiciel qui permet la gestion électronique des besoins en recrutement. Ce système, il permet aussi d'analyser les CV. Hein, c'est ce qu'on appelle le parsing de CV, ce mot très anglais qui est très utilisé par les éditeurs de logiciels ATS. Et l'ATS, ça vous permet de suivre les candidats, vos candidatures, tout au long du process de recrutement. Un ATS, ça aide à rationaliser le process de recrutement en automatisant des tâches telles que l'analyse du CV, on vient de le dire. Ça vous permet aussi de vous accompagner, de vous aider dans le matching entre le besoin d'un client et l'attente de mission d'un candidat. Ça vous permet aussi d'aller faire de la diffusion d'offres d'emploi et ça vous permet de communiquer avec l'ensemble de votre base de candidats parce que c'est bien gentil d'avoir une base de candidats bien qualifiée, mais ce qui est important aujourd'hui, et j'espère que vous partagerez ce constat-là, c'est de pouvoir rester au contact de ces candidats, pouvoir leur donner des news, pouvoir leur parler de ce que vos clients attendent et leur proposer des missions. Une fois qu'on a équipé vos agences d'un ATS et d'un CRM, donc ce logiciel de recrutement, nous, on pense qu'il est important de venir connecter les plateformes clients. Vous savez, ces outils, Pixid, on en propose évidemment, c'est le cœur de nos métiers, mais aussi nos concurrents, ces plateformes qui équipent vos clients sur toute la chaîne de valeur d'une mission d'intérim, de la commande jusqu'à la facture, en passant par la réception de candidature, la réception des contrats que vous leur transmettez pour de la signature électronique, le suivi de leur mission, la gestion de leur revendeur, et puis toute la partie reporting que vos clients demandent au quotidien. Eh bien, ça, c'est le boulot des plateformes clients. Alors, c'est bien gentil d'avoir des plateformes clients d'un côté, d'avoir un ATS CRM pour vos agences. Nous, ce qu'on pense, ce qu'on croit même très fortement avec Margot, c'est que les plateformes clients et l'ATS CRM doivent absolument être connectés. Pourquoi ? Parce que quand un client vous émet une commande, ce qui est important, c'est que cette commande, nativement, automatiquement, elle arrive sur votre ATS CRM, ce cockpit de vos agences, et que ces commandes multi-clients, elles soient centralisées pour donner une bonne visibilité à vos opérationnels sur les tâches qu'ils doivent réaliser au quotidien. Et puis l'ATS CRM, ça Margot vous en parlera, il doit faire son boulot de recherche de candidats. Il doit aller chercher le meilleur candidat sur la base hyper rapidement et proposer ces bons candidats sur les plateformes clients. Et le fait de connecter plateformes clients et ATS CRM, ça permet cette automatisation des échanges. Vous recevez automatiquement les commandes de vos clients et les candidatures sont automatiquement repoussées sur les plateformes des clients pour que les clients puissent les consulter et passer des commandes définitives sur les profils qu'elles veulent recruter. On a parlé des outils clients, on a parlé de l'outil agence ATS CRM, il reste quand même une partie de votre activité non équipée. Et je pense aux intérimaires. Ce qui est important aussi, si on veut être dans une suite logique d'outils, c'est d'aller, équiper vos intérimaires de portails. Ces portails vont leur permettre je vais essayer de vous le montrer à l'écran, de recevoir leur contrat de mission, consulter leur relevé d'heure, parfois le saisir leur relevé d'heure si vos clients le demandent, recevoir leur bulletin de salaire, tout ça en dématérialisé et recevoir aussi l'ensemble des documents qui sont inhérents à une mission d'intérim, je pense au certificat de travail ou à l'attestation de Pôle emploi. Un portail intérimaire, ça doit aussi pouvoir proposer à vos intérimaires la gestion de la compte, que l'intérimaire puisse en toute autonomie, via un outil digital, vous faire des demandes d'acompte et que vous puissiez les recevoir nativement, encore une fois, je pense que vous avez remarqué sur MyStyle, on connecte tous ces outils-là ensemble, que la demande d'acompte arrive sur le système de votre agence sans que votre agence ait besoin de sortir d'environnement pour aller sur un autre. Et puis, nous, ce qu'on voit de très important dans cet écosystème digital, c'est de pouvoir, depuis l'ATS CRM qu'utilisent vos agences, pousser ce que nous, on appelle des sollicitations. C'est-à-dire que vos clients, ils émettent des besoins, des commandes. Vous interrogez votre base de candidats pour voir si vous avez les candidats qui conviennent. Si vous n'avez pas tout à fait collecté l'ensemble des disponibilités de vos candidats, vous pourrez, à travers l'ATS CRM,
vers l'application mobile d'un intérimaire, via le portail intérimaire, aller solliciter des viviers de candidats pour leur demander s'ils sont intéressés, disponibles pour une mission qui a été demandée par votre client. Donc là, vous voyez, notre vision hein, vraiment de cet écosystème-là, c'est de connecter tous ces outils les uns avec les autres. Et puis alors, ce sur quoi on est avec Margot et les équipes projet en train de très sérieusement travailler, et on a des premiers résultats qui arrivent, on en est très content, c'est de pouvoir connecter tous ces outils-là, en tout cas l'ATS CRM, avec votre logiciel métier. Alors, soit avec le logiciel métier qu'on connaît, hein, Infor, CJ, Best, et puis les autres un petit peu plus petits, où là, effectivement, nous, on est en train d'avoir des travaux d'intégration pour que ces systèmes communiquent nativement. Hein. Encore une fois, on ne veut pas que vos agences elles passent d'un outil pour aller sur un autre et multiplier la double saisie. On veut que tout ça soit hyper connecté. Aujourd'hui, on est complètement dans cette démarche-là et on a les premiers très bons résultats qui sont en train de d'apparaître. Donc ça, c'est notre vision de l'écosystème digital. Et ce que je vous propose, c'est que Margot nous fasse un zoom, nous mette un petit coup de loupe sur ce qu'est un logiciel de recrutement. Est-ce qu'un logiciel de recrutement doit avoir comme fonctionnalité indispensable dans l'utilisation, pour l'utilisation de vos agences? Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Caroline, hein, l'idée à travers ce webinaire, c'est de répondre à notre problématique qui est comment mieux recruter et comment gagner de nouveaux marchés. Et pour cela, en fait, il est pertinent de s'équiper de solutions digitales qui vont faciliter le quotidien pour vos opérationnels en agence. Quand je parle de s'équiper de solutions digitales pour fluidifier les process en agence, je pense notamment à s'équiper d'une solution de recrutement ATS. Comme l'a défini Caroline, hein, je vous propose de voir en fait les différents scénarios de recrutement qui vont être possibles à travers l'utilisation de cet ATS. Le premier scénario de recrutement possible, c'est ce qu'on appelle le recrutement sur vivier. Le vivier, concrètement, ça va être votre base de candidats existants, structurés et qualifiés en fonction de critères que vous aurez vous-même déterminés. Donc, en fait, ça peut être en fonction de la qualification, de la localisation de vos candidats, de la saisonnalité et en fait de l'ensemble des critères que vous-même vous semble pertinent pour structurer au mieux cette base de candidats. Et en fait, à travers ce scénario de recrutement, l'idée, c'est d'avoir l'ATS qui vienne puiser dans ce vivier de candidats des profils pertinents qui vont pouvoir correspondre aux commandes de vos clients. Et ça sera possible par la fonctionnalité de matching. Cette fonctionnalité qu'on a symbolisée par le logo Tinder, il vient faire en fait toute cette présélection de candidats potentiels pour vos commandes clients. Et le but étant évidemment de générer un placement. Le deuxième scénario de recrutement possible à travers l'ATS, il va se faire par l'acquisition de candidats ou de sourcing. En fait, dans ce cas présent, l'idée, c'est de venir sourcer des candidats, car ceux que l'on avait dans la base de candidats existants, dans les viviers qu'on a vu précédemment, soit ne conviennent pas ou alors ne sont pas disponibles. Et dans ce cas, il y a plusieurs solutions qui seront possibles. Vous allez pouvoir diffuser des annonces d'emploi sur un site carrière pour gagner de la visibilité et générer des candidatures, ou alors diffuser l'offre d'emploi sur différents job boards. Je pense notamment à la multidiffusion. Là, ma recommandation, ça va vraiment être de trouver une solution qui va vous permettre de centraliser toutes ces actions de sourcing sur un seul et même outil. Je rebondis sur ce que disait Caroline juste avant. Vous avez une multitude de briques de solutions qui sont utilisées au quotidien en agence et on a un peu tendance à s'y perdre. Là encore, en fait, grâce à l'ATS, toutes ces candidatures qui vont être sourcées sur ces différents canaux d'acquisition, vous allez les centraliser sur un seul et même outil, c'est-à-dire l'ATS, sans avoir différents onglets d'ouvert sur vos navigateurs web. Et la fonctionnalité de matching, elle va intervenir de façon à faire une présélection et faire correspondre ces candidatures acquises avec la commande afin de générer un placement. C'est toujours l'objectif. Oui, le but étant de générer un placement, effectivement. Le troisième scénario de recrutement
possible. Et je rebondis hein, toujours sur la problématique de base, pardon, qui est comment aussi gagner de nouveaux marchés. Et ben en fait, la première réponse hein, qui nous vient en tête, ça va être par la prospection commerciale. En ayant une brique CRM qui va être intégrée dans votre ATS, vous allez pouvoir piloter l'ensemble de vos actions commerciales depuis votre solution. En ce sens, en fait, bah, vos collaborateurs en agence, ils vont pouvoir faire de la proposition active en soumettant en fait, à des cibles que vous aurez clairement identifiées grâce à votre CRM en amont, des candidatures qui pourraient tout à fait bah, correspondre à ce que vos clients recherchent. L'idée, hein, encore une fois, c'est de susciter de l'intérêt afin qu'une des cibles ouvre une commande et qu'on puisse générer un placement. Vous l'aurez compris, hein, à travers ces trois scénarios de recrutement possibles, avec une solution de recrutement, on peut avoir différentes possibilités pour pouvoir recruter. Ma recommandation, là, vraiment, hein, c'est de trouver un seul et même outil sur lequel vous serez capable de gérer bah, tous ces scénarios de recrutement. Le but, je le répète, c'est vraiment de réduire les multiples briques de solutions qui constituent une perte de temps pour vos opérationnels, ainsi qu'une certaine frustration parce que bah, on va pouvoir avoir de la double saisie sur certains outils et ça peut être une certaine perte de temps. Et ainsi, du coup, l'ensemble des actions hein, qui sont bah, liées au recrutement, ainsi qu'aux actions commerciales, elles pourront être centralisées et permettront une réelle transparence de l'information. Je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et je vous propose en fait de rentrer vraiment dans les fonctionnalités clés que vous devez retrouver en fait sur votre logiciel de recrutement. Je vous rappelle, hein, la problématique de notre webinaire, c'était trouver les bons candidats et gagner de nouveaux marchés. Donc là, dans un premier temps, on va répondre à cette fameuse problématique, trouver les bons candidats. Bah, pour commencer, hein, comme je le disais un petit peu plus haut, en utilisant votre base candidat, ça passe notamment bah, par votre vivier de candidats. Souvenez-vous, hein, dans votre vivier de candidats, vous allez trouver vos candidats connus et qualifiés que vous allez structurer en fonction des critères que vous aurez déterminés. Ça va aussi être possible en filtrant votre base de candidats. Vous allez pouvoir prendre en considération les attentes et les exigences de vos candidats et de ce fait, mieux adapter vos propositions de poste. Plus vous aurez une base de candidats hein, qui sera structurée, moins vous aurez besoin à terme bah, de sourcer et donc de réduire vos factures de job board. Vous allez aussi hein, pouvoir rechercher des profils en dehors de votre base de candidats existants. Pour trouver les bons candidats, hein, il est vraiment important de savoir trouver le bon candidat au bon endroit. Pour cela, parfois, il faut procéder à du sourcing en prospectant les candidats sur les différents canaux. On va avoir la multidiffusion pour les job boards. On a beaucoup entendu en parlant avec vous et avec vos confrères hein, du Hello Work, du Indeed, du Pôle emploi et toute cette multitude hein, de job boards qu'on peut trouver. Et en fait, grâce à la multidiffusion, l'idée, ça va vraiment être de venir piloter la diffusion des annonces sur les différents job boards depuis l'ATS. Vous rédigez votre annonce une seule fois et vous sélectionnez les différents job boards sur lesquels vous voulez diffuser votre offre d'emploi. Ça va être aussi bah, la diffusion d'offres d'emploi sur vos sites carrière, hein, donc sur vos sites internet, ou alors en fait bah, par le biais de certaines campagnes marketing qui vont être des campagnes ciblées en fonction des viviers que vous aurez déterminés par exemple. Reste ensuite à pouvoir évaluer quels sont les meilleurs canaux d'acquisition et analyser bah, d'où viennent ces nouveaux candidats. Si tous vos candidats viennent de Hello Work par exemple, peut-être qu'à terme, vous arrêterez de diffuser vos offres d'emploi sur d'autres job boards. Et enfin, pour trouver les bons candidats, il faut aussi savoir gérer vos candidats. Il faut une communication hyper ciblée. Hein. Vraiment, c'est très, très, très important d'avoir une très bonne communication avec vos candidats et de façon à pouvoir faire bah, des sollicitations qui vont être adaptées au profil de vos candidats. Caroline le disait un petit peu plus haut, hein, on est sur un marché de candidats où les candidats sont assez pénuriques. Il faut prendre en considération bah, leurs exigences, certains secteurs d'activité avec de faibles impacts environnementaux, une société avec une politique RSE importante. Et en fait, en ayant une communication fluide avec vos candidats,
vous allez améliorer l'expérience candidat en le tenant informé en temps réel de l'ensemble du process dans lequel il va être engagé. Le but de la TS, ça va être de processer, structurer tous vos process de recrutement. Et grâce à ces solutions, on va pouvoir créer des automatisations de tâches avec, par exemple, des envois de mails à chaque changement d'étape. Si la candidature, par exemple, n'a pas été retenue, dans ce cas, le candidat il recevra automatiquement un mail lui annonçant la fin du process. Une fois qu'on a réussi à répondre à cette première problématique qui était de comment trouver les bons candidats, reste désormais à répondre à notre deuxième problématique qui est comment gagner de nouveaux marchés. Pour cela, déjà, je vais vous recommander d'avoir une brique CRM qui va être intégrée à votre ATS. Alors là, pour le coup, tous les ATS ne proposent pas cette brique et se focalisent uniquement sur l'optimisation des process de recrutement. Cependant, pour les agences d'intérim, cette partie commerciale, elle n'est clairement pas négligeable. Vous êtes sur une relation tripartite entre vos candidats et vos clients et c'est hyper important d'entretenir cette relation commerciale. L'idée, là, c'est de venir centraliser l'ensemble de vos actions commerciales pour avoir une meilleure connaissance de vos clients ainsi que de vos prospects. Je pense aussi à la centralisation de l'ensemble de vos commandes sur votre ATS avec la possibilité d'avoir une intégration automatique depuis les plateformes digitales de vos clients notamment et aussi d'avoir toutes vos commandes centralisées pour pouvoir avoir un suivi plus clair de votre activité et de l'état de votre job en cours. Ainsi, vous pourrez faire de la prospection commerciale par la proposition active en poussant de manière anonymisée des profils à vos clients. C'est la meilleure façon de gagner de nouveaux clients et donc de nouveaux marchés. C'est aussi important de pouvoir gagner de nouveaux marchés avec un outil qui va vous permettre de centraliser toutes vos informations. On se rend compte, et Caroline le disait en introduction, il y a un turnover qui est assez important et malheureusement, les agences de travail temporaires, elles ne sont pas épargnées. Et en disposant d'un outil qui va permettre de retracer l'ensemble des actions commerciales, comme les actions qui vont être liées au recrutement, on se rend compte d'une part qu'il y aura une transparence de l'information, ce qui peut être plus qu'utile lorsqu'on est en prospection commerciale, par exemple. Et dans ce cas précis, avant d'appeler un prospect, vous allez sur la fiche contact et vous verrez l'ensemble des actions qui auront pu être menées par vos collaborateurs sur ce compte. Et toujours dans le but de démultiplier les briques de solutions, c'est un gros plus de pouvoir y intégrer sa boîte mail, notamment son agenda. On évite la perdition d'informations. Pour gagner de nouveaux marchés, on peut aussi proposer des plateformes digitales à vos clients et à vos intérimaires. En proposant ces solutions, vous allez faciliter et fluidifier vos échanges, donc gagner de nouveaux clients en proposant un service additionnel à vos prospects et aussi fidéliser vos intérimaires en leur proposant quand même des process qui vont être nettement simplifiés. Proposer une solution digitale à son client, ça va vous donner quand même un avantage compétitif qui n'est clairement pas négligeable, encore moins à l'heure actuelle. Vous l'aurez compris, votre choix d'ATS est hyper important pour faciliter votre quotidien et vous permettre de mieux répondre à vos problématiques. Pixid a lancé Carrerix sur le marché français en septembre 2023, donc c'est tout récent. Et juste quand même, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une solution qui est leader sur le marché du Benelux et qui existe depuis plus de 20 ans, qui équipe plein de grands noms de l'intérim et aussi plein de petits acteurs. On a fait un très grand travail de screening, notamment avec Caroline et avec toute l'équipe Carrerix sur le marché français afin de voir les solutions qui étaient proposées et aussi discuter avec vous en agence pour en savoir davantage sur la manière dont vous fonctionnez. Et c'est comme cela qu'on s'est rendu compte que vous aviez pour certains plein de briques de solutions distinctes avec des multitudes de fenêtres ouvertes sur vos navigateurs Internet et que rien n'était connecté ensemble. En effet, je rejoins Margot.
On a, comme elle le disait, lancé la solution Carrix en septembre 2023. En revanche, nous, ça fait plus de un an et demi, presque deux ans, qu'on travaille à venir synchroniser, interfacer deux plateformes qui sont la plateforme historique Pixid, hein, qui couvre aussi bien les clients que les intérimaires, et ce logiciel de recrutement, cet ATS CRM Carrix. Alors Carrix, ça fait partie du groupe Pixid depuis 2018. Jusqu'ici, les entreprises fonctionnaient de manière indépendante, mais il est vrai qu'avec Margot, on s'était rendu compte depuis quelques années que le sujet ATS CRM commençait à intéresser les agences de travail temporaire, mais que les ATS du marché, en tout cas les ATS français, étaient pour la plupart pas forcément très bien connectés avec les logiciels métiers. Alors, il y avait déjà des belles actions qui avaient été menées par nos frères pour effectivement vous proposer des interfaces, des intégrations entre ces logiciels et métiers et les logiciels de recrutement. Mais on sentait bien qu'il n'y avait pas forcément de communication avec la partie client et la partie intérimaire dont on vous parle depuis le début. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces deux technologies qui finalement s'adressent au même marché, hein, les agences de travail temporaire, tous ces professionnels du recrutement, de l'intérim qui ont besoin très rapidement de capter de la commande client, d'alerter des viviers d'intérimaires, et tout ça dans l'objectif, Margot l'a redit à plusieurs reprises, de générer du placement, mais avec du process simple, avec de l'automatisation d'email, avec de la possibilité de pousser des besoins sur des multidiffuseurs, de collecter des candidatures et que ces candidatures, elles s'enrichissent automatiquement dans cet ATS CRM. Hein. L'idée, et je suis désolée, on vous le redit, on le martèle, c'est d'éviter la double saisie. On vous entend trop souvent nous dire, on a des outils, on en est plutôt satisfait, mais rien ne communique les uns avec les autres. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis une bonne année et demie, je ne mens pas, eh bien, on a travaillé, alors je suis d'accord avec vous, ma slide là est très chargée, mais on a travaillé à venir interfacer, à faire en sorte que les plateformes Pixid et la plateforme Carrix se parlent et communiquent, et tout ça au profit de vos agences. Je vous l'ai dit en préambule, hein, Carrix, c'est un ATS et un CRM dans un même logiciel pour lequel vous n'avez pas besoin d'avoir deux outils différents. Hein. L'outil Carrix propose ATS et CRM, et on a branché les plateformes clients Pixid. Alors, pour tous ceux qui connaissent et qui maîtrisent bien nos plateformes, hein, les plateformes portail client, les plateformes PPE, les plateformes PAC, les plateformes grand compte. Pour tous ceux qui nous écoutent et pour qui c'est du chinois, je serais ravie de pouvoir vous détailler ça ultérieurement. Mais toutes ces plateformes clients, elles sont connectées à Carrix. Et donc, du coup, quand un client qui utilise une plateforme, et vous les connaissez, enfin, je veux dire, les clients Pixid, c'est les vôtres aussi. La Vinci, je parle de la Société Générale, Amazon, Renault, ça c'est pour les plus gros, il y en a plein aussi de taille intermédiaire. Quand ils vous passent une commande, eh bien, ce qu'on a décidé de faire, c'est que cette commande, elle arrive automatiquement, nativement dans la TSCRM. Et une fois que la commande est arrivée, eh bien, le système commence à faire son boulot. Et son boulot, c'est quoi? C'est d'aller chercher les meilleures candidatures. Le matching 100% automatisé, très honnêtement, moi, je n'y crois pas du tout. Il y a toujours un humain qui est derrière. J'ai travaillé par mon passé dans une entreprise de travail temporaire 100% digitale, et il y avait toujours un humain qui venait faire la dernière action entre le besoin d'un client et l'attente d'un candidat. Et bien, l'idée, hein, c'est que l'ATS aide vos opérationnels à trouver via quelques mots-clés les meilleurs profils. Et ces profils-là, l'idée, ce n'est pas de les envoyer par mail à votre client, c'est de les pousser nativement de l'ATS vers la plateforme du client. Et l'idée, c'est que votre client, eh bien, il puisse consulter l'ensemble des candidatures que vous lui mettez à disposition sur un seul et même environnement qui est les plateformes Pixid.
On répond aussi à une exigence liée au RGPD. Vous le savez aussi bien que moi, il faut que les candidatures elles soient purgées tous les 2 ans si elles n'ont pas été consultées. Quand vous envoyez un mail à votre client avec un CV et un descriptif de l'intérimaire, est-ce que vous êtes sûr que ce mail que vous envoyez qui contient des CV sera purgé dans les 2 ans par votre client? Je ne suis pas certaine. Du coup, proposer des candidatures électroniques via des outils qui sont faits pour ça et pour lesquels nous, Pixid et Carrerix, on se charge de ces mécanismes de pure, et tout ça, vous inquiétez pas, c'est du paramétrage, on le règle avec vous, eh bien, on vient protéger, on vient s'assurer qu'on répond à ce RGPD qui est assez, rude et contraignant, finalement, à gérer pour vos agences de travail temporaire. Donc, ça, c'est la partie interaction entre l'ATS CRM Carrerix et les plateformes de vos clients Pixid. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je n'ai pas que Pixid comme plateforme. J'ai aussi les plateformes de vos confrères. Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour faire de la pub pour eux. Mais vous les savez, vous les connaissez mieux que moi. Eh bien, on sera ravis de venir connecter ces plateformes concurrentes à la TSCRM Carrerix. C'est un outil ultra ouvert sur lequel une foultitude d'API, alors ça c'est pour les plus technos d'entre nous, les API, vous savez, c'est ces méthodes de connexion entre deux plateformes pour que les données s'échangent en temps réel. Eh bien, Carrerix a développé son système sur une méthode d'API et ça peut, et donc du coup, les informations peuvent communiquer avec les plateformes Pixid, mais aussi avec les plateformes de nos confrères. L'idée, encore une fois, hein, c'est que tous vos clients, et peu importe les systèmes qu'ils utilisent, soient connectés à ce logiciel de recrutement. On a parlé des clients, on a parlé de vos agences, encore une fois, les intérimaires dans tout ça. Bah, les intérimaires, aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, ils n'ont plus envie de signer leur contrat de manière papier. Ils n'ont plus envie de venir en agence. Pour la plupart d'entre eux, je fais encore de grandes généralités, mais la plupart d'entre eux préfèrent recevoir des contrats de manière digitalisée. Eh bien, Pixid, vous le savez sûrement, j'espère, sinon ça veut dire que je n'ai pas bien fait mon boulot sur ces 3 dernières années. Eh bien, Pixid, on propose un coffre-fort électronique que vous mettrez à disposition de vos intérimaires. Ce coffre-fort électronique, on l'appelle le portail intérimaire, c'est un peu plus joli. Et c'est surtout qu'on ne fait pas que du stockage de documents, c'est-à-dire du contrat de mission que l'intérimaire vient signer ou de la réception de bulletins de salaire. Non, on vous permet aussi de venir gérer la compte des intérimaires, pousser des propositions de poste à ces candidats intérimaires qui sont peut-être aujourd'hui en mission, mais qui le seront peut-être plus demain. Et l'idée, c'est de garder le lien avec ces candidats slash intérimaires. Et pour garder le lien, ce qu'on vous propose, ou en tout cas ce qu'on a fait avec les équipes Pixid et Carrerix ces derniers temps, c'est qu'on a relié, connecté notre coffre-fort électronique, notre portail intérimaire à cet outil ATS CRM Carrerix. Je le redis encore une dernière fois, hein, l'idée, c'est de aujourd'hui, la dernière phase de nos travaux, c'est de poursuivre l'intégration entre Carrerix et votre logiciel métier. Alors, si vous êtes propriétaire de votre logiciel métier, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus simple. Pareil, via un jeu d'API, on connecte les deux logiciels et puis ils se parlent nativement sans que vos agences aient besoin de passer d'un onglet à un autre. Pour tous les autres logiciels pour lesquels vous n'êtes pas propriétaire et pour lesquels vous achetez un service, eh bien, vous inquiétez pas, on est en train de faire le boulot. On a des entreprises de travail temporaire que je ne vais pas citer qui sont en phase de pilote avec nous depuis septembre de l'année dernière et pour lesquelles on travaille conjointement pour proposer les meilleures intégrations entre le logiciel Carrerix et votre logiciel métier. On ne fait évidemment pas ça dans notre coin, hein. L'idée, c'est de le faire avec vous. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont en train d'apparaître. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Je crois que Once nous pose une question.
En combien de temps êtes-vous capable de déployer la solution? Alors ça, c'est une bonne question, Margot. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En 6 semaines, alors après, ça va dépendre effectivement de ce que vous voulez, mais ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que en 6 semaines, le temps qu'en fait on vienne recueillir les informations que vous voulez, parce que le gros avantage de la solution, c'est qu'elle est quand même hyper personnalisable en fonction de vos spécificités métiers notamment. Donc en fait, nous, on va venir récupérer déjà toutes vos infos que vous avez pour faire la migration notamment de votre base de candidats qualifiés que vous avez à l'heure actuelle et autres. Et en fait, on va venir définir ensemble des templates d'email ou des choses comme ça. Et en moyenne, en 1 mois et demi, on a finalisé la phase projet et on peut déployer la solution dans vos agences. Oui, Margot disait quelque chose de très, très, très juste. Un ATS CRM, il a tout intérêt à ne pas être vide au moment où vos agences d'intérim vont commencer à l'utiliser. C'est le meilleur moyen pour que personne n'utilise et que personne n'adopte la solution. Donc, effectivement, avec les chefs de projet Pixid, l'idée, hein, c'est de collecter toute votre data. Alors, la data, on la trouve un peu partout, hein. On la trouve sur des fichiers Excel, on la Sur des trouve feuilles volantes. sur des feuilles volantes, on la trouve parfois dans vos logiciels métiers, hein. Souvenez-vous, c'est ce que je vous disais, et Margot vous l'a dit aussi, les logiciels métiers ont développé au fur et à mesure des années quelques briques pour répondre à vos besoins de, par exemple, CVTech ou des bouts de CRM. Et bien là, la data, c'est là où elle est présente. Et bien, avec les chefs de projet Pixid, on va collecter toute cette data, on va la mettre en forme et on va charger le logiciel. L'idée, hein, c'est quand vos agences, elles arrivent sur la TSCRM, elles retrouvent tous leurs prospects, toute leur base client et qu'elles retrouvent toute leur base de candidats et toute leur base d'intérimaires. Parce que si on vient leur dire à vos collaborateurs, à agences, qu'il faut venir saisir un par un les candidatures et recréer chaque profil intérimaire, on aura perdu tout le monde. Donc, en phase de projet, on prend toute la data et on la charge dans le système. Autre chose qu'on ne vous a peut-être pas dit, mais qui est important de faire passer comme message, le système Carrix, il est complètement paramétrable. Donc, nous, effectivement, on a standardisé une plateforme qu'on considère être la plus juste pour l'ensemble des entreprises de travail temporaire, avec des workflows, avec des templates, avec certains types d'informations à compléter pour les clients, pour les prospects, pour les intérimaires, pour les candidats. Sauf qu'en fait, on n'a pas la science infuse, on n'est pas, nous, les mains dans le recrutement au quotidien. Et bien, la plateforme Carrix, elle est complètement paramétrable et on peut la modeler fonction de votre process. C'est une plateforme qui est super riche en fonctionnalités et on peut venir la designer comme vous l'entendez. Et ça, pareil, c'est en phase de projet pendant le délai que Margot nous a expliqué. Alors, on a une question de Franck qui nous demande avec quel ERP vous êtes lié. Alors, on est en train de mener ce travail avec au moins deux des trois, je dis trois, mais ils sont quatre. Il y a deux gros avec qui on est en train de mener ces travaux. C'est assez long, hein, de venir relier les outils, de bien définir les process qui doivent être appliqués et les données qui doivent être échangées. On a fait le travail très fortement avec deux. Franck, vous m'excuserez, je ne vais pas citer le nom de ces ERP ici. Je ne voudrais pas être jugée partie et faire la promotion de certains et pas d'autres. Comme vous le savez, la plateforme Pixid traditionnelle est connectée avec l'ensemble des ERP du marché. Et c'est d'ailleurs là-dessus aussi qu'on se base et on a la chance d'avoir cet existant d'interfaçage avec les ERP. Et on se sert de ces connexions avec Pixid et les ERP du marché pour en faire bénéficier aussi Carrix. Donc, on n'est pas parti d'une feuille blanche. On a de la chance d'avoir un certain existant. Et on est en cours de finalisation. On est persuadé que c'est très important de vous proposer un logiciel de recrutement parfaitement intégré avec votre logiciel métier. On sait très bien que si on n'arrive pas à vous proposer de bonnes intégrations, vous ne serez jamais partant pour utiliser notre outil. Donc ça, faites-nous confiance, c'est notre boulot. On est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'intérim.
et le recrutement. Et donc, du coup, on est en train de travailler très, très fort à cette dernière partie qui est très importante pour les agences d'intérim et pour nous-mêmes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, Margot et moi, on est à votre entière disposition pour vous présenter la plateforme CareerX, parce que là, on est bien conscient qu'on vous a juste posé les grands principes, on vous a donné les grandes fonctionnalités, on vous a expliqué ce qu'on imagine pour un écosystème agence ultra connecté avec juste les outils qu'il faut pour vos enseignes de travail temporaire. On est là à votre dispo pour faire des démos. Je pense que c'est quand même important de vous montrer le système. Et puis, à l'écran, vous le voyez, on vous met un petit lien, un petit bouton bleu sur lequel vous pouvez appuyer. Derrière ce bouton bleu se cache notre dernier livre blanc. Alors, un livre blanc, c'est quoi? Bah, c'est un thème sur lequel on a travaillé les équipes Pixid, les équipes marketing, et on en a sorti un fascicule, un manuel, un livre de plusieurs pages qui détaille les secrets des agences d'intérim pour recruter sans stress. Et on vous a, on a bossé dessus pendant quelques mois. On est assez content de pouvoir enfin le sortir. On va communiquer aussi sur les réseaux, mais n'hésitez pas à le télécharger. Ça répondra à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser sur les fonctionnalités et l'avantage d'adopter un logiciel de recrutement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Margot, est-ce que tu voulais... Je vois une dernière question sur... alors, si nous avons un intérimaire inscrit à plusieurs agences, comment le logiciel fera la différence? Alors là, soit vous avez plusieurs agences et vous ne voulez pas que l'outil communique entre les plusieurs agences. Pour le coup, ce n'est pas forcément ce qu'on recommande. L'idée, c'est d'avoir une transparence au niveau des informations et que, effectivement, votre agence de Paris puisse communiquer avec l'agence de Marseille ou de Lyon si vous avez des candidats qui sont mobiles sur ces trois villes. Après, si vous voulez que chaque agence ait les propres accès à ces données, c'est aussi possible. Si jamais la question, c'était plusieurs enseignes différentes, ce que je ne sais pas. Là, pour le coup, sachez que chaque enseigne a son propre interface et... Les viviers ne sont pas communs. Les viviers, exactement. De travail temporaire, hein. Exactement. Chaque enseigne de travail temporaire a son vivier de candidat, ouais. A son vivier d'intérimaire. C'est parfaitement cloisonné. D'ailleurs, c'est le même principe sur Pixid, hein. Vous avez chacun exactement. Votre base de candidat, votre base d'intérimaire. Mm. Alors, je rejoins Margot, je ne sais pas bien si on parle... entre enseignes ou entre agences, mais là vous parlez d'agences et Margot a répondu, hein, soit on fait une base commune de candidats, soit on cloisonne entre ouais. vos agences. Nous on trouve ça dommage, Margot à juste titre dit, si vous avez un intérimaire qui est mobile à plusieurs endroits, plusieurs localisations, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir le positionner sur une agence ou sur une autre. Donc, Juan, si on n'a pas répondu à votre question correctement, on est désolé, mais on serait ravis de vous en reparler et, de, ouais. et d'aller plus loin dans cette question-là. On a une question qui vient d'être posée par Fanny. Merci pour la question. Existe-t-il une possibilité aux candidats de s'inscrire sur cette plateforme? Oui, il en existe plusieurs même. La première, c'est à travers un site carrière. Un site carrière, c'est quoi? C'est un site qui met en visibilité l'ensemble des missions que vous avez à pourvoir. Soit vous avez votre propre site carrière qui existe depuis longtemps. Hein. Alors, généralement, un site carrière, il est adossé à un site Internet. Vous en êtes content, il vous plaît. CareerX poussera les offres d'emploi sur... ce site carrière que vous avez déjà pour effectivement venir alimenter votre vitrine de missions, de postes vacants. Et dans ce cas-là, un candidat, il ira simplement renseigner son profil, sa candidature à travers ce site carrière. Et ces candidatures, elles viendront
se déverser dans CareerX et ensuite, alors vous allez, enfin vous verrez, hein, si on vous fait une démo, Fanny, on vous montrera, mais après, les candidats, ils sont identifiés par des statuts. Est-ce que c'est un candidat qui est connu par le système? Est-ce qu'il n'est pas connu par le système? S'il est connu, évidemment, on ne viendra pas vous créer un doublon, promis. On n'est pas là pour venir gâcher votre vivier. Par contre, si c'est un candidat qui n'est pas connu, bah, il y a une candidate, enfin, un profil, une fiche candidat qui se créera automatique avec son CV et la plateforme automatiquement, elle ira parser le CV. Vous avez déjà une première partie de qualification de réaliser. Et ensuite, ce sera à vos agences de venir qualifier le candidat via un entretien téléphonique, visio, physique, peu importe ce que vous mettez en place dans vos process. Donc ça, c'est la première manière pour un candidat de s'inscrire sur la plateforme. La deuxième manière, bah, c'est via des job boards, comme le disait Margot, hein, CareerX est connecté à des multidiffuseurs d'annonces. Les multidiffuseurs, bah, ils font leur boulot de multidiffuseur. Hein. Ils envoient votre proposition de poste sur les job boards que vous utilisez. Margot citait tout à l'heure Cadre Emploi, Monster, Hello Work pour les plus modernes. Et quand les candidats vont postuler à ces propositions de poste là, eh bien pareil, ça va venir créer automatiquement une candidature dans CareerX si le système ne connaît pas le candidat. Le système vous annoncera aussi que le candidat est nouveau dans votre système pour que vous puissiez le qualifier. Ce qui est sympa avec un logiciel de recrutement comme CareerX, c'est que vous allez pouvoir sortir des tableaux de reporting. Tableaux de reporting vont vous permettre de pouvoir identifier quels sont les job boards qui vous alimentent le mieux. Alors, le plus et le mieux, hein, parce que c'est bien gentil d'avoir des candidatures, mais ce qu'on préfère, c'est quand même avoir des candidatures qualifiées, ou en tout cas qui correspondent avec ce que vous attendez. Eh bien, CareerX vous propose tout un tas de reporting, notamment sur cette partie-là de job board, pour que vous puissiez analyser quel job board vous payez et si vous les payez à juste titre. Et si finalement vous rendez compte que vous ne les payez pas à juste titre, bah, vous aurez ces reporting qui vous aideront à pouvoir cibler les bons job boards et peut-être venir à ne plus utiliser certains job boards plutôt que d'autres. Et puis du coup, un ATS, CRM, un logiciel de recrutement, ça vous aide à venir maîtriser vos factures de job board. Et on le sait, une annonce, ça coûte cher. Ouais. Voilà, j'espère qu'on a répondu à cette question. Pareil, Fanny, on est à votre dispo. On sera ravis de vous faire une démo, de vous en parler un petit peu plus. Juan, on voit effectivement qu'on doit vous contacter. On est ravis. On va le faire. D'ailleurs, si les autres participants veulent contacter Juan, vous avez aussi son numéro de téléphone. Non. On vous rappelle, Juan, avec grand plaisir. On approche de la fin. N'hésitez pas à télécharger notre nouveau livre blanc. Vous avez, si je ne m'abuse, une slide juste après avec mes coordonnées. Vous pouvez aussi passer par le site internet de Pixit pour demander des informations. Quand vous vous déconnectez à ce webinaire, on vous demande, s'il vous plaît, de prendre une petite minute pour venir noter notre prestation, évaluer si le thème vous a intéressé, si le contenu de nos informations était bien celui que vous recherchiez aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, bah, indiquez-le aussi, ça nous permettra d'évoluer et de nous perfectionner pour le prochain webinaire. On a plusieurs autres thèmes qu'on va vous proposer dans les mois à venir. Vous recevez aussi régulièrement des communications via une newsletter où on vous indique les différents webinaires qu'on propose avec les différents thèmes. Promis, ce n'est pas toujours Margot et moi qui les animons, il y a aussi le reste de notre équipe ETT qui les anime, donc vous pourrez voir effectivement les visages de tout le monde et puis retrouver sûrement vos chefs de projet. En tout cas, voilà, on essaie d'animer un petit peu notre portefeuille client ETT, donc voilà, via ces newsletters, via ces webinaires, et puis encore une fois, si vous avez besoin de nous contacter en direct, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, le site internet aussi permet de rentrer en relation, donc on se tient à votre disponibilité. Il est 11h55, on a 5 minutes d'avance, on pensait qu'on aurait du retard. On est ravis de ne pas vous avoir fait déborder sur votre planning. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une démo ou un échange ouvert sur un thème qui vous tiendrait à cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.